Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, le podcast de débat autour du manga. C'est parti pour l'été, le 21 juin passé, enfin c'est aujourd'hui, là on est en fin de journée, le jour où sort cette émission consacrée au manga de l'été, et les journées sont donc plus longues. On a du temps pour lire beaucoup, beaucoup de mangas, dehors, au soleil, sous la canicule. Bref, un temps qui nous permet aussi donc de penser aux vacances et donc aux mangas qu'on va lire pendant les vacances. Il faut savoir quoi emporter pendant ces vacances. Beaucoup de nouveautés évidemment, mais pas que, mais surtout beaucoup de difficultés pour toute l'édition à se fournir encore en papier, en carton, en goodies. D'où les décalages incessants que vous voyez depuis un an maintenant. Ça n'arrête pas et ça va continuer encore un peu, donc faut pas vous fixer sur les dates de sortie obligatoirement. Faut pas faire trop de plans sur la comète. On a déjà discuté de tout ça de toute façon, donc allons droit au but. On vous a concocté un petit guide pour vous aider dans vos achats des sorties manga pour l'été. Mais avant ça, petite question rapide autour de la table. Hormis les mangas dont on va parler là dans cette émission, est-ce que vous avez eu un coup de cœur depuis le début de l'année dont vous n'avez pas encore ou trop peu parlé dans la 5DC, Julie? Moi j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus sur Oshinoko, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, alors que ça vaut le coup. Et effectivement, après, c'est difficile parce que c'est des livres qui sont sortis vraiment très récemment, tu vois. Par exemple, il y a un deuxième titre, La danse de la lune. Du soleil et de la lune. Du soleil et de la lune, voilà, merci. Pareil, il n'y a que deux tomes de sortie pour l'instant, donc c'est un peu tôt, on va dire, pour se lancer dans une analyse ou quoi. Mais j'ai très hâte de connaître la suite. Mais ça peut être dans tes chouchous 2022, ça. Complètement. Complètement. Pour les deux. On en a déjà parlé un peu quand même. Ah, pas assez. C'est ça. On avait lu le tome 1. Et le tome 2, ouais. Parce que si tu lis que le tome 1 de Oshinoko, tu rates tout. Oui. Mais quand même. Et je trouve que de plus en plus, quand tu lis les tomes 1, tu rates tout. Ah, quand tu lis que les tomes 1, tu rates tout. J'ai l'impression que de plus en plus, il faut lire les tomes 2. Et alors là, ça tombe mal, puisqu'on a lu plein de tomes 1 pour cette émission. Oui, voilà, c'est ça. Johnny, toi, il y a d'autres choses dont on n'a pas assez parlé à ton goût? Non, en fait, moi, on a vraiment tout dit. Soit, en fait, j'ai déjà écouté les émissions dans lesquelles vous en parliez, ou je les ai faites moi-même, genre My Hero Academia, tu vois, ou Ajin que vous avez fait la semaine dernière, qui était très bien. Mais non, toi, Oshinoko, on en a parlé aussi, mais c'est pareil. En fait, moi, j'attends plus de tomes pour faire quelque chose. Ouais. Moi, c'est mon seul regret, encore, c'est un petit regret, parce qu'on en a aussi parlé, c'est Manchuria Opium Squad. Ouais. Est-ce que je sais pas à quel point on a dit que c'était bien? Est-ce qu'on l'a vraiment dit? Non, mais encore une fois. Il faisait quand même partie d'une émission en entier. Il faut peut-être attendre encore que 2-3 tomes pour s'attaquer au cœur du sujet, j'ai envie de te dire. Bon, la cinquième de coup vous propose un petit guide de lecture manga pour l'été et ça commence maintenant. Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh les bâtards. Oh this new crazy mother. Bonjour à tous, bonjour et merci d'être avec nous dans la cinquième de couve. Pensez à boire de l'eau avec toute cette chaleur. Oh oui, beaucoup. Hydratez-vous et je réponds déjà à la question, peut-être que tu allais poser, Johnny. Non, l'alcool, ça n'hydrate pas. Non, mais c'est une solution. C'est une solution, l'alcool est une solution, et exactement. Et l'oubliez pas. Effectivement, salut Johnny, salut Julie, comment t'allez-vous? Salut, ça va. Ça va et toi? Vous êtes prêts à parler de manga pendant une heure? Bah oui, allons-y. On se retrouve donc comme d'habitude sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et pour ne rater aucune émission, pensez à activer les notifications. Premier coup de cœur, premier manga dans cette émission. Comment on va faire ça? On a fait différentes sélections par groupe. Là, on commence directement par trois coups de cœur, trois mangas qui nous ont fait plaisir. On s'est dit direct, oui, on a envie d'en parler très très vite de cela. Le premier d'entre eux, c'est Darwin's Incident. Ça sort début juillet aux éditions Kana. Dans ce manga, on fait la rencontre de Charlie, qui est le premier hybride humain-chimpanzé de l'histoire. Mais à son entrée au lycée, l'existence même de ce spécimen va attirer l'attention, notamment celle d'une organisation terroriste extrémiste pro-vegan. Il y a beaucoup de mots là. L'Humanze. L'Humanze, c'est le nom de cet hybride. L'Humanze et ses capacités hors du commun se trouvent donc au cœur d'enjeux qui vont le dépasser
complètement. Et dans ce manga, il est question d'idéologie, d'idéologie au pluriel, important de dire qu'il y a du pluriel. Il est question d'amilitantisme, là aussi je mets du pluriel. Il est question aussi de science-fiction, puisqu'on a des questions d'hybridation, de complot, d'action terroriste, de choses qui n'existent pas dans notre réalité. Mais alors quel cocktail incroyable! Il y a de tout, il y a énormément de choses. J'ai trouvé ce manga absolument passionnant, Julie. Écoute, alors, moi, j'ai eu beaucoup de réticence à lire le titre. Ça ne m'attirait pas tant que ça, alors que, comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de thèmes et de sujets abordés. Et j'avais quand même un peu de mal. Je pense qu'il y avait une espèce de dégoût, de l'idée même d'avoir une espèce de personnage principal qui est un hybride vraiment... Qui a une tête de singe. Ouais, humain et singe. Et de... Comment dire ? Il y a vraiment... Enfin, je pense qu'il y avait un problème aussi au niveau de l'identification. C'est, voilà, tout bête. J'ai quand même lu le tome 1, mais j'avoue que j'y suis retournée à 3 reprises. Enfin, ça s'est pas fait facilement. Et effectivement, après avoir lu le tome 1, et en tout cas, je dirais à partir du milieu du tome 1, il y a quand même de l'action, des choses qui font que l'histoire va très vite et que t'as envie d'en savoir plus, quoi. Et donc, c'est vraiment incroyable parce que moi, j'ai trouvé que... Tu vois, comme tu disais, il y a des idéologies au pluriel et c'est vrai qu'il y a peu de mangas qui ouvrent autant sur des débats. Clairement. Et donc, je trouve que l'auteur, moi, j'ai envie d'en savoir plus sur cet auteur parce que j'ai envie de savoir comment il travaille, comment il en est venu à certains raisonnements, etc. Et je trouve qu'il appuie très intelligemment sur des boutons qui sont très précis, qui peuvent te faire sentir mal en te disant « Ah, est-ce que tel ou tel argument ne serait pas recevable ou pas, etc. » Et notamment toute la question du véganisme ou du militantisme, de l'utilisation de la violence, etc. Et du coup, je trouve qu'il a une vision très précise de là où il veut aller. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente, quoi. Et en plus, c'est pour moi la première fois que je lis ce genre de façon de faire, de cette narration très précise où à chaque fois, il appuie sur des boutons pour faire réagir ou non les héros, les personnages, etc. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la première fois que j'avais l'impression de lire quelque chose de nouveau, en tout cas. Oui, voilà. Il y a beaucoup de mangas qu'on lit et qu'on adore, mais qui rentrent dans des canons, qui rentrent dans des cases. Là, effectivement, t'as raison, j'avais l'impression de lire quelque chose de nouveau. C'est un titre qui te bouscule, qui t'interroge sur ton mode de vie, sur tes modes de pensée. Ouais. Je serais pas surpris que certains lecteurs prennent mal certains propos du manga, par exemple. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient être dérangés aussi à la lecture. Ou au contraire prendre parti. Voilà. Alors que l'auteur, j'ai l'impression qu'il arrive à trouver le juste milieu. Je pense qu'il veut pas non plus verser, évidemment. Il ni est là dans pour, un coin, ni dans un autre, pour décrire justement une variété de possibles, mais c'est un exercice d'équilibriste, quoi. Enfin, c'est super intéressant. À nous de nous faire la réflexion en fonction de ce qu'il présente. Mais c'est ça, et je pense que déjà c'est un manga qui est pas là pour rigoler. On n'est pas là vraiment pour rire. Non, mais en vrai, ça traite du terrorisme par le véganisme. Ouais. C'est une sorte de parallèle entre les véganes. Et nous, en fait, c'est facile en France de faire ce parallèle entre les véganes et les islamistes, vu qu'on l'a vécu, on a eu pas mal de terrorisme à ce niveau-là. Et en tant que Français, quand tu lis ce genre de manga, tu fais le parallèle directement. Je suis pas sûr qu'il y ait le même retentissement quand on est japonais, en tout cas. Et c'est un sujet assez complexe à aborder. Et le manga, elle mérite au moins de le faire et de pas tomber dans la facilité, quoi. En vrai, ça parle concrètement de la médiatisation de masse associée à la débilité des gens, je pense. Mais c'est assez intéressant, mais j'avoue, si tu vas dans un contexte, tiens, je veux voir parce que le petit singe, il est mignon. Ah non, mauvais choix. Faut pas commencer comme ça. Ouais. C'est marrant, moi, j'ai pas du tout fait le parallèle extrémiste, attentat, avec l'islamisme. À la limite, j'ai vu, tu sais, du Greenpeace des années 70-80, à la limite, tu vois. Non, moi, je l'ai fait parce qu'il y a un moment, les médias parlent de l'association des véganes qui s'expriment. Donc voilà, il y a plein de véganes dans le pays. Ils s'expriment, en fait, face à leur crainte, face au malentendu que la médiatisation fait sur le terme terroriste végane. Oui. Et nous, on a un peu la même chose avec terrorisme islamiste.
Genre tu confonds islam et islamiste. C'est un peu la même chose. Et moi je fais le parallèle directement là-dessus, parce qu'en vrai nous ça nous arrive énormément en ce moment. Mais c'est vrai que pour faire suite à l'émission d'Adjin où il est question de terrorisme, là pour le coup c'est vrai qu'on a un manga parent de ce point de vue, où il est question de terrorisme. Moi c'est un coup de cœur ce titre, un vrai coup de cœur. À la fin du tome j'avais qu'une envie, c'était de savoir ce qu'il advient de Charlie. C'était de connaître la suite, parce que il y a de l'action. Oui, ça, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à des histoires politiques, à des échanges d'idées, à la philosophie. Ouais. Non, il y a vraiment de l'action, il y a une histoire. C'est de la science-fiction, mais c'est aussi un manga d'action, parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression d'être dans une série télé américaine qui me lâche pas, tu vois. C'est ça qui est assez intéressant aussi avec ce titre. Après, moi, je pense que c'est vraiment plus que de la science-fiction. Là, le science-fiction est un peu là en background à ce niveau-là. Et c'est vraiment une critique de la société actuelle. Ouais, mais tu vois, la plupart des titres de SF ont dans l'idée, alors à part certaines parties de la SF, tu vois, le space opéra, je pense pas que ce soit une vraie critique de la société, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de science-fiction qui justement se jumellent avec notre société et la critique à travers des choses dites impossibles, mais qui nous font réfléchir sur ce qu'est notre société aujourd'hui. En tout cas, Darwin's Incident de Shun Umezawa, c'est le manga qui a gagné le Taisho Awards cette année. Ouais. Vous vous souvenez, on avait parlé du Taisho Awards. Le Taisho Awards, c'est le prix du manga qu'on conseille à un ami. Exactement. Donc il y a déjà un peu plus de tomes au Japon de sortie. Et donc ce manga a gagné le prix du manga qu'on conseille à un ami au Japon. Et bah, ça tombe bien, nous on vous le conseille d'emblée, ce manga. Ouais. Darwin's Incident aux éditions Kana, ça sort au début du mois de juillet. La suite maintenant avec Komi cherche ses mots. Joe, est-ce que tu peux nous faire le pitch? Oui, on va suivre la jeune Komi qui est atteinte d'anxiété sociale. En gros, ça s'apparente pour elle à une vraie phobie, l'anxiété sociale. Elle arrive à parler à personne de son lycée, mais vraiment personne. Elle peut pas, elle ouvre la bouche, ça marche pas. Et en gros, il y a son camarade de classe, Tadano, qui est assis à côté d'elle, qui va se rendre compte de ce trouble le phobique et qui va tenter d'aider Komi justement dans cette peur, de surmonter cette peur et de réaliser son rêve qui est de se faire sans amis. Youhou. Enfin, sans, c'est pas sans amis. C'est comme un shonen de Hiro Mashima. Je veux me faire sans amis. c'est le même pitch que Den Zero presque. Non, pas exactement. C'est marrant comme manga. C'est très doux. Ah, c'est génial. Un vrai retour. Moi, je l'ai senti, je l'ai pris en tout cas comme ça. Je l'ai pris comme un retour à l'adolescence. Ça touche au cœur, ou alors ça touche pas du tout si t'es hermétique. Mais si t'as envie de vivre ce retour à l'adolescence, j'ai trouvé que Komi, ça allait dans ce sens. C'était plein de douceur. Voilà, à l'opposé de Darwin's Incident pour le coup, Joe. Ah oui, et surtout, moi je m'y attendais pas. Je sais que j'avais entendu tout cet engouement sur la série Netflix qui était sortie l'année dernière, mais j'ai pas vraiment fait attention à ça. Non, la série est sortie cette année. Non, là c'est la saison 2. En fait, elle est sortie en 2021. La en saison France aussi, une. On était déjà en 2021. Ça passe vite le temps. C'est ça le truc. Et je pense, et c'est ça qui est assez marrant, parce que cette série, elle existe depuis 2016. Et à mon avis, il n'y avait aucun éditeur dessus, ça fait 6 ans quand même. Et il y a 25 volumes au Japon. Je pense qu'ils ont vu. Ils ont vu le volume. ils ont vu le succès de Netflix l'année dernière. Et là, ils ont fait il y a un truc, il y a un truc à faire. Après, elle est superbement bien réalisée. Et elle est bien réalisée. Oui. Et en vrai, quand tu lis le manga, il est bien aussi. Il est très mignon. On passe un très bon moment. Et moi, toi, les pages sont tournées toutes seules. Et honnêtement, je m'étais pas du tout attardé avant cette émission sur ce manga. Je connaissais juste un peu la popularité de ce titre, mais c'est tout. Et par contre, quand tu le lis, tu tombes dedans. C'est un petit vent de fraîcheur, quoi. T'es content. Moi, j'aime bien aussi le fait que graphiquement, sur ce type de manga, on sorte des sentiers battus, parce que sur des rom-coms comme ça ou du manga scolaire, on a quand même des canons graphiques qui te font aller dans un sens ou dans un autre. Là, je trouve qu'on sort des sentiers battus, qu'on va que ce soit dans la mise en scène, dans le storyboard ou dans le dessin en lui-même, tu vois, Komi, je trouve qu'elle ressemble à aucun autre personnage. Bah, c'est un peu le but aussi. Parce que elle est l'idole de tout son lycée. Tout le monde l'admire. Elle est belle. Elle a des très bonnes notes. Mais elle a un secret qui est qu'elle ne peut parler à personne. Et personne ne s'en rend compte à part Tadano. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on traite l'anxiété sociale sous forme d'humour. Et je pense que c'est assez facile de s'identifier à ce personnage ou à toutes les. Parce qu'on va pas voir que ce personnage. En fait, ils ont tous un problème social qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et je pense que c'est assez facile de s'identifier parce qu'on l'a tous éprouvé à un moment ou à un autre, ou même on l'éprouve actuellement à des degrés plus ou moins différents, bien entendu, ce genre de complexe. Donc.
tu te retrouves forcément dedans, je pense. Bah, en fait, moi, je pense pas que ça soit tant des portraits sociaux, on va dire, enfin, pour grossir le trait. Mais moi, c'est plutôt un humour qui est finalement très, très pointu sur la culture otak. Parce que tous les personnages de la série sont des personnages de manga. Ce sont les fameux codes que tu trouves dans n'importe quel rom-com, dans n'importe quel shoujo, dans n'importe quel shonen. Ça va être le mec qui est à fond dans les études, ça va être le ninja un peu chelou, ça va être la fan d'idol. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça les gens qui sont dans la classe de Komi. Et tous les noms sont en rapport avec ces caractéristiques de personnages de manga. Et en plus, mais là où ça correspond et où ça colle, c'est que tu parles de phobie, de code, c'est que chacun a aussi un rôle à trait avec la communication aux autres. Oui, bah Komi, c'est communication. Et elle s'appelle Shoko parce que Sho, ça peut aussi être maladie. Elle a une maladie de communication et c'est son nom. Et lui, il s'appelle Tadano Hitohito, ça veut dire je suis un mec lambda. Et donc c'est que des noms comme ça. Et je trouve que dans la traduction des mots, des noms de tous les persos, ils ont trouvé un petit twist qui fait que, enfin en tout cas, oui, c'est son amie d'enfance, ça s'appelle Amy d'enfance. Ouais. Voilà, ah oui, et c'est marrant. Que des trucs comme ça, parce que c'est la traduction exacte finalement, qui fait que c'est savoureux en japonais, tu vois. Et cet humour est super simple en fait, mais il est très pointu quand tu t'intéresses à la culture manga. Enfin, parce que ça parle vraiment de ce que tout le monde a lu dans plein d'autres séries. Et c'est un manga qui est donc très très attendu par une grande partie de la communauté en France, puisque c'est à chaque fois sur les réseaux sociaux qu'un titre allait être annoncé par un éditeur, il y avait toujours au moins un commentaire, un tweet pour dire est-ce que ça va être commis ? Oui. Bah, c'est pas étonnant, il a gagné le 60e prix de prix Shogakukan dans la catégorie shonen cette année, en 2022. Et même la meilleure comédie sur Crunchyroll Anime Awards en 2022 aussi. Donc là, c'est vraiment son année, tu vois. Ouais, mais comme on disait tout à l'heure, en fait, l'adaptation animée est vraiment très très bonne. Moi, j'ai trouvé que le réalisateur Watanabe est excellent aussi. Et c'est lui qui s'occupe de Time Shadows d'ailleurs. Exact. Et donc, il y a un côté hyper frais, donc c'est idéal pour l'été. Ouais, moi, c'est ma recommandation. Ça s'appelle donc Komi cherche ses mots, c'est de ses éditions Pika. La suite avec un manga français. C'est rare qu'un manga d'un auteur français tombe dans les coups de cœur, Joe. Ce manga s'appelle Reaper. Reaper, c'est un manga signé Geronimo Sejudo. Et il nous dépeint un monde bien cruel, où des monstres rôdent et où l'air respirable est bien trop rare. Une planète poubelle géante en soi. Et par conséquent, la population a dû se résoudre à survivre recluse ou ça, on le sait pas encore, on le saura peut-être dans le tome 2. Mais qui ça, on le sait déjà, c'est des gens qui notamment sont des Reapers, je vous laisserai découvrir ce que c'est précisément dans le manga. Mais cette équipe de Reapers est bien surprise lorsqu'elle tombe un jour sur un garçon qui semble humain, qui vit dans un air sans masque à gaz et qui vit en colocation avec un raton laveur qui parle. Gros, gros programme, gros dossier, et c'est drôle, moi c'est mon manga bagarre de l'été, tout sent bon la baston dans ce titre. Tout, non mais vraiment, c'est les chara-design, ils sentent bon la baston. Ouais. L'action, elle est parfaite pour mettre en place des combats, et des pour l'été bagarres. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Puis visuellement, franchement ça renvoie, quel boulot, quel travail, il y a vraiment... Enfin, vraiment, bravo pour tout le boulot qu'il y a. Parce que c'est pas un manga fait en une semaine par chapitre, clairement. Ouais, ah bah. C'est sûr. Non, mais moi, c'est vraiment, pareil, une très bonne surprise. Et c'est vrai qu'on ressent pas du tout la jeune expérience de l'auteur. Parce qu'en vrai, il a fait Lilberry avant, qui nous avait déjà donné une claque visuellement. Et bah, tu le ressens pas du tout. T'as l'impression que c'est déjà un auteur confirmé. Niveau dessin, t'as rien à dire dessus. T'arrives à lire l'action, tu vois très bien. Moi, j'ai dû, par contre, là c'est un petit aparté, mais j'ai dû faire un petit travail psychologique pour entrer dans l'univers. Parce qu'au début, j'étais pas du tout dedans à cause de mes lectures précédentes, notamment Darwin Incident que j'avais lu juste avant. Oui, et, c'est vrai que si là, il faut remettre un peu son mood. Il faut, voilà, je vous le dis, adaptez-vous un petit peu avant. Là, on va prendre, c'est un manga de baston. Il faut être vierge de tout esprit quand on rentre dedans. Mais j'avoue, une belle claque. Ouais.
avec donc une grosse inspiration Super Sentai à l'intérieur. Mm-hmm. Donc le Super Sentai, c'est les collants, les couleurs. Les collants, c'est les couleurs. Les là, masques, il y a visière. Là, il y a les masques, justement. Là, on a les masques, on n'a pas forcément les collants. Les monstres. Tant mieux, je pense non. que dessiner, ça doit pas être le top, les collants. Bon, en revanche, on a des tenues, de combat, on a des armes, on a des actions, on a les couleurs. Non mais voilà, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Et puis on a du coup qui dit Super Sentai dit escadron, et les Reapers sont en forme d'escadron. D'accord. Et c'est juste qu'on est sur une planète post-apocalyptique, hein, donc forcément le contexte est différent d'un Sentai classique type Power Rangers. C'est vrai que je le précise pour ceux qui savent pas ce qu'est le Super Sentai, c'est Bioman, c'est Power Rangers, c'est ce genre de c'est ce genre de choses. Puis Geronimo Sejudo, c'est un auteur français donc qui a remporté un prix prestigieux au Japon et qui a pu avoir l'occasion de collaborer avec des éditeurs japonais, qui a plutôt choisi de proposer ce manga là en France. Joe, non, c'est cool. Non, c'est vrai que moi, je voulais parler un peu de son parcours parce qu'on ne le connaît pas trop. Et il fait partie un peu de cette génération d'autodidactes comme Tony Valente, qui ils n'ont pas forcément fait d'études spécialisées pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Mmh. Mais toi, Geronimo, il lui dit lui-même dans ses interviews, de toute façon, il dit à la base, le BD et le manga, ce n'est pas son média de prédilection, quoi. Lui, il est branché illustration, il est branché dessin pur, mais il aime aussi raconter des histoires. Et donc, toi, pour l'île Berry, il s'est dit, tiens, vas-y, pourquoi pas, j'aime bien le scénario. Et en vrai, il n'a pas fait de vraie formation, il a fait un petit truc en art appliqué et non, parce qu'en vrai, c'était rapide, je sais pas combien de temps ça a duré, un an ou deux, mais après toi il a fait un BTS en design de produits, donc vraiment le dessin c'était pas son but ultime. Et après il a évolué avec son style. Au début il parlait de son style vraiment très One Piece, finalement avec de plusieurs retours d'auteurs, etc., ou de potes ou pas potes, tu vois, il s'est amélioré au fil du temps pour avoir son propre style. Ouais. Toi, il a même demandé un conseil à Renaud Lemaire, donc tu vois, et Renaud, son conseil c'était l'anatomie, très important, l'anatomie. Mais non, mais tu sens que c'est un jeune auteur qui a pris énormément d'expérience, qui a, enfin en tout cas en autodidacte, et qui là le ressort, il fait son scénario, il fait son dessin, il le fait lui-même, parce qu'avant l'île Berry, il avait un scénariste avec lui. Et là, c'est son histoire, donc là, il donne tout et tu le sens, quoi. C'est cool. Le mec a du talent. Mmh. Le mec a du talent, clairement. Ouais. Je l'ai interviewé pour le magazine Japan Live, qui est en kiosque, si jamais. Ah. Japan Max, pas Japan Live, Japan Max. Ah, maintenant, magazine. C'est un magazine. Ah oui, il a acheté le magazine, Max. Oui, c'est ça. Il y a un magazine à mon nom qui s'appelle Japan Max. Je vous encourage clairement à l'acheter. Je l'ai interviewé, Geronimo Sejudo, dedans, et effectivement, il me disait que c'était difficile d'écrire pour la première fois cette histoire. Lui tout seul, c'est la première fois qu'il était au scénario, et effectivement il s'est mis au post-it, m'a-t-il dit. Oh là là. Forcément. D'ailleurs, je crois qu'il lui arrive d'écouter notre émission de temps en temps, donc si jamais Geronimo Sejudo, tu nous écoutes, on te passe le bonjour. Et donc Reaper, ce manga sort au début, est sorti, il est déjà sorti là effectivement, quand on enregistre cette émission, enfin quand on diffuse cette émission, il est déjà sorti, et il est aux éditions Ankama. La suite dans la cinquième de couve, c'était avec une sélection fantasy et fantastique, parce qu'on a vu, pas moins de 4 nouveautés qui pouvaient aller dedans. Il y aurait pu en avoir plus, mais on s'est limité à 4. La première de ces nouveautés, Joe, elle s'appelle Clévates. Clévates, on est dans un monde où les monstres et les épées magiques sont légion, et on va justement parler du puissant démon Clévates qui est attaqué par une troupe de héros qui sont venus l'éliminer. Ils se font défoncer. Voilà, ou presque, parce qu'il y a une plus ou moins survivante qui va arriver après. Et en gros, Clévates, suite à ça, il décide de tuer tous les humains en retour de cette attaque. Voilà, il fait pas de sa gueule, donc il veut tuer tout le monde. Et puis finalement, avant de prendre sa décision finale d'éradiquer l'espèce humaine, il va conditionner son choix sur l'éducation d'un bébé qui va recueillir là, dans les ruines de la ville qu'il a massacrée. Et il va l'élever lui-même pour savoir si l'humain est profondément mauvais ou pas, et ce qui mérite d'être sauvé. Grande et là, question. Donc, on est à la fin du premier chapitre, à peu près, avec, ce pitch, à peu de choses près. Et donc, que va-t-il se passer ensuite? Et bien, le tome 1, il nous donne déjà beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant avec ce titre, c'est que le tome 1, il ne te fait pas perdre de temps. Ça, c'est résumé en un chapitre, et puis ensuite, ça envoie. Et là, on découvre Clévates, un personnage plein de cruauté, qui ne fait absolument rien pour être aimé, qui est méchant, c'est un démon, c'est un être maléfique, mais c'est quand même le héros de cette histoire. Le manga porte son nom. Et finalement,
à force de faire tout pour être détesté, il en devient attachant. Mais lui, en fait, il est un peu confronté à son orgueil, c'est-à-dire que c'était un démon surpuissant, mais il y a des humains, des vulgaires insectes qui ont abîmé, qui ont réussi à lui faire mal, toi. Et il fait, mais comment c'est possible? Si je les laisse, ils vont me défoncer. Mais c'est quand même une comédie. Non, c'est de l'action fantasy pure. Okay, bah justement, c'est en fait l'auteur, avant il avait fait Dimension W, et rien à voir avec Dimension W, parce que là on est dans de la fantasy. Dimension W, on était plutôt dans la science-fiction polar, anticipation. Ouais. L'auteur, il a fait un gap carrément là-dessus en tout cas. Et puis un très très gros gap pour le coup, parce que là on est dans quelque chose de beaucoup plus cruel, beaucoup plus dark. On parle de fantasy, là on peut parler de dark fantasy. Ah oui, c'est un seinen, faut pas l'oublier. Clairement. D'accord. Et puis c'est beau, je sais pas si Joe t'as vu les pages couleurs au début. Ça te dit quelque chose? Si, j'ai bon. Moi les pages couleurs du début du manga, en fait j'ai ouvert, je tombe sur les pages couleurs et j'ai fait oh, c'est beau. Ah bah ouais, je sais pas. J'achète. Tu sais, je vois tous les personnages qu'on voit dans les pages couleurs n'existent plus quelques pages ensuite. Mais peu importe, tu sais, c'est juste bah voilà, comme non, quoi l'illustration dedans, ouais. couleur du début de manga peut te mettre dedans. Bien ouais, sûr. Elle m'a mis dans l'histoire. C'est tout était bon et j'étais conditionné. Dark Fantasy, ok, tout est bon. Le successeur du Bubblebat est là. C'est Clevates. Après, l'auteur Yuji Iwahara, il est assez connu en France. Hein. Il est connu pour Le Roi des Ronces, Darker Than Black, Dimension W, et ils ont tous eu une adaptation en anime. Et c'est vrai que là, avec Clevates, t'as envie de voir aussi un anime. Donc Dimension W, Darker Than Black et Clevates et Shekiyun. Et tu sens qu'il y a quelque chose derrière. En tout cas, le tome 1, c'est un peu une construction un peu Team Starter Pokémon. Genre, tu vois, je vais prendre mon équipe là, de 3, et puis c'est parti. Typique fantasy. Tu vois, on commence en montée, sauf qu'elle est bizarre. C'est quand même une team un peu bizarre. Bah, c'est un peu qui team forte poitrine le début là. Ah, ouais, en plus du bébé. Bah, justement, parce que le bébé, faut le nourrir. Ah, ah oui, effectivement, il faut pas le nourrir. Il y a un des personnages de la team que j'avais Bah, pour moi, en fait, il fait partie à la fin. Tout à fait. Le but, c'est le recrutement. Je pense, effectivement. Et oui, je pense que dans le tome 2 aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont changer son tic de langage. Parce que le ch, où elle change tous les s en ch, c'est trop chiant à lire. Je suis sûr qu'il va lui réparer les dents. C'est sûr. Je le préviens. On verra ça dans le tome 2. Clevates, c'est sorti. C'est aux éditions Kihun. La suite, c'est avec Diamond in the Rough. Ici, on est dans un monde fantastique très riche. Avec des êtres de granit, des dragons, des tortues géantes, des villes souterraines, des invocations. Et tout tourne ici autour des minéraux, des pierres avec lesquelles on peut tout faire. On peut faire des armes, des objets, on peut les faire pousser même si on veut. Le duo de personnages au cœur du manga s'appelle Akeboshi. Akeboshi, c'est le maître, et Kai, l'élève qui a lui une jambe pétrifiée, et sa jambe pétrifiée donne naissance à une pierre rare, le diamant rouge. Voilà, une application très classique des codes du manga d'aventure avec un orphelin, Kai, un maître, Akeboshi, de la magie, un univers super riche, et vas-y, on va tout droit, go go go, c'est un titre qui est sorti sur le Jump Plus de Shueisha. Ouais, le tome 1 est vraiment très dynamique, et limite il démarre vraiment sur les chapeaux de roue, parce que dès le départ on a le gros méchant, et tu te dis bon bah ça va être lui le fil rouge, bah, sauf qu'il apparaît au bout de la moitié, enfin au bout des trois quarts, tu fais, bah il est déjà là. Donc on va le voir, c'est ouf. Et non mais tu sens qu'il va y avoir une autre histoire, bien entendu, mais tu t'ennuies pas là, c'est clair que t'attends pas le tome 1 là, pas la peine de sortir les deux tomes, tu fais le tome 1, tu sais si t'aimeras ou pas, hein. Ouais, je remarque qu'à chaque fois sur les mangas, les shonen un peu classiques du Jump Plus, on va plus vite. On perd moins de temps que dans les titres qui sortent en publication hebdomadaire ou mensuelle. Enfin, c'est la réflexion que je me suis faite, et avec Diamond in the Rough, ça m'a rappelé évidemment, tu vas me dire si toi aussi tu y as pensé, Joe, à l'atelier des sorciers, mais avec une magie cette fois. Alors c'est pas avec l'écriture, mais c'est une magie minérale. Ouais, non mais c'est vrai que ça rappelle pas mal. Le dessin est quand même assez différent et plutôt classique. Classique shonen. Plutôt beau. Comment dire, il y a une tendresse dans le dessin. Moi, il m'a fait penser à Desert Nine. Très minéral. Oui. Pour le et désertique, effectivement. Ouais. Mais pour le début. Bah, en fait, c'est ça. C'est un shonen classique, mais l'univers, tu sens qu'il est ultra intéressant. Moi, je suis pas du tout fan du mentor parce que je le trouve mou. Non, mais autant, toi, le héros, tu sens sa rage, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais là, t'as beau te dire que le mentor, il a le passé de, il est super fort avec son minéral rouge, là, avec ses flammes. Franchement, à chaque
chaque case, je trouve qu'il est trop mou et ça me saoule. Mais vraiment, tu vois, c'est pas comme Samurai d'Hyperskio où il a la face gentille et la face méchante. Enfin, en tout cas, j'espère qu'un jour il montrera une face méchante à Akeboshi. Parce que je pense qu'à Akeboshi, quand il va commencer à se bastonner, il va me montrer du power. Ouais, quoi. Parce que là, le Thomas, en fait, je trouve. Mais pourquoi t'es mentor ? Vas-y, prends quelqu'un d'autre. Mais t'inquiète, il va le montrer. Tu vois, les chaînes vont plus vite, mais il va aller encore plus vite. Diamond in the Rough, c'est aux éditions Kanaï, c'est d'ores et déjà disponible. Manga suivant, toujours de la fantasy ou du fantastique. Fantasy plutôt, Dark encore. Bon, avec Duranki. Duranki, donc c'est un one shot qui prend place dans un monde justement inspiré des mythes grecs, et on va suivre un enfant hermaphrodite nommé Usumgal qui est accompagné du petit dieu Pan, qui, et tous les deux ils vont partir à découvrir le monde. Donc ils vont rencontrer les hommes, ils vont rencontrer des divinités pour comprendre la vraie nature d'Usumgal et surtout sa destinée. Mmh. Un manga qui parle donc évidemment aux fans de Berserk, oui. Surtout en ce moment. Pourquoi ? Parce que c'est le studio qui va continuer à faire Berserk, oui. Qui a fait Duranki et qui l'a entièrement réalisé sans Miura. Alors peut-être à l'époque avec les conseils de Miura, effectivement. De toute façon, ils travaillaient ensemble. Donc oui, il a dû donner des conseils à un moment ou un autre. Mais effectivement, c'est ce studio-là qui réalise. Et donc en ce moment, forcément, c'est un manga qui va parler aux fans de Berserk. Ouais. Ne me regarde pas. Mais non, mais en fait, c'est un peu le bon point et le mauvais point. C'est que pour moi, il va parler qu'aux fans de Berserk. Et à mon avis, il a suivi plus que des conseils, vu qu'à la fin du one-shot, t'as les 80 pages de scénario de Kentaro Miura qui l'explique qu'est-ce qu'il pensait à la base. Ouais. Et donc, forcément, ils sont basés là-dessus. Après, quand il est mort, ils ont décidé de remodeler ça un peu à leur sauce pour essayer de sortir quelque chose. Moi, j'avais l'impression, en lisant, et c'est peut-être mon âme de Disney qui ressortait, c'est un mix de Hercule et la petite sirène de Disney, mais version seinen. Mais je te jure, à un moment, de fan de Disney non, mais... parle. Non, mais à un moment, le héros, il montre un coquillage, et il fait, ouais, je sais pas ce que c'est. Et t'as l'autre qui fait, waouh, des coquillages, mais à quoi ça sert ? Je suis désolé, mais c'était un plagiat de la petite sirène quand elle découvre son peigne de fourchette. Là. Oui. C'était la même chose. Mais en vrai, c'est très bien dessiné, c'est assez intéressant. Et non, moi je trouvais ça assez cool. Mais je te rejoins parce que effectivement c'est peut-être pas un manga essentiel pour les lecteurs de manga. En revanche, pour les lecteurs de Berserk, de Fantasy, je pense que là ça devient une évidence de lire ce titre. C'est-à-dire qu'effectivement, sorti de tout ça, ouais, c'est peut-être pas le meilleur manga du monde. Après, ça reste un one-shot et c'est toujours agréable de lire un one-shot. Mais effectivement, ça devient évident pour beaucoup de gens, en tout cas, d'essayer de se plonger dans ce titre. Ouais, pour moi, c'est comme un recueil de Fujimoto. En vrai, tu lis le recueil parce que tu connais l'auteur et tu veux savoir quel est son travail. Et là, Kentaro Miura, il a donné les 80 pages de scénario. Voilà ce qu'ils en ont fait. Alors, le point essentiel, c'est que l'histoire se finit pas. Donc, on est en pleine action. Par contre, t'as vraiment... Tout l'imagination derrière que Kentaro Miura voulait donner. Et l'éditeur, d'ailleurs, il le dit, il fait « Bon, bah voilà, vous avez ce texte-là, à vous d'imaginer la suite qu'aurait pu donner Kentaro Miura. » Je vais spoiler un petit peu, mais sur ces dernières lignes, voilà ce qu'il disait. Il disait « Bon, voilà, les Amazones remportent la guerre de Troie avec des chars à vapeur. » Voilà. Donc vous pouvez imaginer vous-même. Moi, j'ai un blocage pour le moment. Parce que j'ai vu la couverture qui est magnifique et tu vois le style, tu le reconnais tout de suite, mais je peux pas pour l'instant. Je pense que c'est vraiment intéressant. Quand tu es fan de Kentaro Miura, je pense qu'il faut le lire. Bon, je le pense également. Ok, vous m'avez convaincu. Ça s'appelle Duranki, c'est aux éditions Glénès, ça sort au début du mois de juillet. La suite avec un manga. Alors, comment prononçons ça ? Jinnaise. Jinnaise. Ça s'écrit Zingnise. Oui. Non, mais voilà, les gens vont chercher sur Internet derrière. Alors, donc. C'est impossible à taper sans modèle. Enfin, quand ils cherchent. Z-I-N-G-N-I-Z-E, ouais. Jinnaise, ouais. Zingnise, Zingnise. Ouais. Il y a plusieurs prononciations. Mais la prononciation, voilà, tu vas nous la faire, Julie, c'est Jinnaise. Jinnaise, ouais. Voilà. Ouais, je pense. Elle est encore mieux que moi. l'histoire du Japon revue et corrigée. Très revue et très corrigée. On y suit un puissant voleur qui a pour mission de décimer le puissant clan Fuma en échange d'un mariage avec une jeune et belle samouraï, une kunoichi. Je t'ai pas compris, Ottoman. C'est pas trop. Hein. Elle est moitié samouraï, moitié kunoichi. Elle s'habille en samouraï, mais on la traite de ninja, ouais. Ouais, c'est ça. Très intriguant. C'est de la bagarre puissance 10. Non, puissance 2000. 2000. Puissance 2000. Bagarre puissance 2000. Ouais. Avec des pouvoirs qui envoient du lourd et une mise en scène
mais totalement flamboyante. Ah oui, oui. J'ai adoré la mise en scène des combats, qu'une poursuite à cheval qui est très courte, hein. Mais quand même, oui, sur des doubles pages totalement, je me suis noté un mot, les doubles pages, je les ai trouvées gargantuesques. Ça ne veut rien dire en soi. Si, parce mais que en termes d'image, bah, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Bah, c'est géant, quoi. Ça déborde de partout. T'as du mal, des fois, à retrouver le cœur de l'action dans la page, tellement il déploie les trucs autour. Ah bah, elle se lise, quoi. Ah oui, oui, non, c'est lisible, mais des fois c'est vraiment très riche, quoi. Oui, enfin, non, mais qui se lise, se dire les dessins, il faut passer du temps dessus. Ah oui, oui, complètement. C'est dans ce sens-là que j'expliquais avec ça. Les dessins, tu restes pas deux secondes, c'est bon, j'ai compris, je passe à la page suivante. Non, là tu prends ton temps, tu dégustes. Bah, c'est très graphique, on a vraiment un dessin très brut. Je pense qu'il correspond parfaitement à la période historique ou au thème, en tout cas, du manga. Tu sens la brutalité quand tu regardes le dessin. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je m'étais pas fait la réflexion, mais le ratio, enfin le rapport entre période historique et dessin brut comme ça, je trouve que t'as complètement raison, Joe. Et puis ça envoie, quoi. Ouais, bah moi j'avoue, j'ai bien aimé le genre de dessin. Bon, alors j'ai mis un peu crasseux parce qu'il est très assez gras, brut, mais c'est vrai qu'il fait penser à des choses qui étaient très en vogue il y a 20 ans, notamment tous les Tetsuohara et des choses très, on va dire, viriles, tu vois, avec les gros muscles, des personnages avec des gueules improbables, et le tout avec une, enfin, c'est hyper testostéroné. Enfin, je pense qu'on peut pas passer à côté de ça. Et pourtant, il y a quand même une très grande attention au côté historique, avec des jolis kimonos, des jolis objets qui font, tu vois, japonais, japonisant. Donc moi, j'ai bien aimé aussi ce côté très dark fantasy, parce qu'il y a du berserk aussi un peu, tu vois, un peu de magie, un peu de trucs occultes, mais tu sais pas encore qu'est-ce que c'est. Et des pouvoirs. Hein. Voilà, un peu que pour l'instant, t'as l'impression d'avoir compris, mais t'es pas encore très certain de voilà, c'est des ninjas, mais des ninjas... comment dire, ouais, vraiment, qui bascule dans le fantastique. Enfin, c'est vraiment... Oui, on l'a vraiment mis dans le fantasy fantastique parce que ça colle à cette catégorie. Complètement. Même si, au premier abord, ça n'a pas l'air. Voilà. Et donc, moi, j'avais mis que c'était du dark fantasy, mais sauce teriyaki, quoi. C'est vraiment... Et puis, bien corsé en sauce. Donc, il y a ce côté hyper... comment dire, une énergie très très brute, mais assez agréable, quoi. Vraiment. Je suis d'accord, c'est très agréable. Moi, ça m'a fait penser par moments à un manga qui s'appelle Akumetsu, parfois aussi à Ninja Slayer. Oui. C'est un manga un peu ancien, mais qui vont un petit peu dans cet esprit-là. Puis un côté pulp sexy avec le personnage de Kiku, qui passe tout le début du manga à poil. Hein, elle a une anatomie très particulière. Extensible. Une anatomie extensible. Très élastique. Et puis elle a pas de jambe. Enfin, elle a une jambe. Elle a une jambe. Et l'autre qu'elle n'a pas. On vous laisse découvrir le pourquoi du comment dans le manga. Mais c'est vrai que c'est un peu un mix d'un peu de tout. Là, t'as parlé de Ninja Slayer et Akumetsu. Moi, je pensais aussi à Samurai Deeper Skio. Mais plus j'y pense et je me dis, c'est un peu un héritier de Basilisk. Oui. Parce que Basilisk, t'as quand même pas mal cette histoire de deux clans qui ont tous des pouvoirs spéciaux. Et là, quand tu lis dans le manga le Nippo, tu vois, dès qu'ils vont faire une technique, ils font Nippo. Et là, ils sortent leur technique. C'est bien parce que les fans de Naruto vont être comblés avec ce changement. Ouais, ils vont avoir un petit problème. Ça va être... Bah, ils ont grandi maintenant. Ils ont bien grandi. Alors, les fans de Naruto, effectivement. Vrai, ils ont plus de 18 ans, ils peuvent le lire. Mais en vrai, non, je pense de plus en plus que c'est un peu un héritier de Basilisk, un peu plus brut de décoffrage. Mais c'est cool, c'est pas mal. Mais en tout cas, c'est un manga super intéressant qui aurait pu aller dans la catégorie suivante, What the fuck, parce qu'il est quand même assez What the fuck. Il y a du second degré. Il faut apprécier faut avoir envie de le lire avec un petit peu de second degré pour l'apprécier à sa juste valeur, d'autant que l'histoire évolue beaucoup à la fin du tome 1. Je m'attendais pas à ce genre de fin. Oui, c'est un peu brutal aussi. C'est brutal et en même temps, ça colle au manga. Oui, et donc un dernier mot quand même. Donc Jin Nyes, moi je me demandais mais d'où ça vient ce nom et pourquoi. Et donc ma supposition, c'est que il y a le personnage principal, le célèbre voleur. Donc, il s'appelle Jinai Kosaka. Et donc, mais il y a trois Jinai. Il y a deux autres personnages qui vont être ses adversaires, ses antagonistes, qui s'appellent également Jinai quelque chose. Enfin, c'est leur nom, quoi. Et donc, je pense que c'est Jinai's.
au pluriel, les Jinnai, en fait, bah tu vois, un peu à l'anglaise, quoi. Non, mais c'est forcément ça, mais du coup, ils n'ont pas appelé. Pourquoi la graphie, je ne sais pas. Pourquoi c'est dans un la mystère. Graphie, c'est passé en Z. Il y a plein de langues où le son jeu fait Z. Hein. Oui, voilà. Ouais, ouais. Alors, est-ce que c'est une petite coquetterie ou tu vois. Non, mais c'est vrai que les trois premières pages, on explique qu'il y a trois Jinnai à chaque fois. Du coup, c'est vraiment marqué de. Oui, c'est vrai que maintenant. Et puis à la fin du tome 1. À la fin du tome 1. On posera la question. On n'en dit pas plus. Exact. Ça sort à la fin du mois d'août. Et en attendant, vous pouvez quand même lire le premier extrait en ligne sur le site de l'éditeur, puisque ça sort aux éditions Shiba, qui est un jeune éditeur. Donc je vous encourage aussi à aider les jeunes maisons d'édition quand elles sortent des choses qui valent le détour. Et là, en l'occurrence, on trouve que Jinnai's, ça vaut vraiment le détour. Catégorie suivante, je viens de la teaser, c'est la sélection What the Fuck. Et on pouvait pas commencer cette sélection What the Fuck avec un autre manga que Deadpool Samurai. Bon bah tout est dans voilà, le titre. Hein. Oui. Voilà. C'est Deadpool en manga, il va au Japon pour monter une équipe à la demande des Avengers, la Samurai Squad. Et donc il la monte avec Sakura Spider, et le duo de symbiote Neiro et Noiro. Et c'est totalement n'importe quoi. Mais ça me fait rire. Ça va dans tous les sens. Ça ne s'arrête pas. Non mais vraiment. C'est-à-dire que tu te dis, ah ok, bon, en fait, il y a un scénario, c'est pas que des vannes. Ouais, il y a un scénario, mais alors il le défonce. Deadpool, il détruit le scénario de A à Z, et je pense que les auteurs ont dû vraiment se marrer à faire un manga comme ça. Bah, je pense que c'est un peu le but avec Deadpool. Le scénariste, je pense qu'il va mourir bientôt, je veux dire. Dans le manga, ils vont tuer le scénariste. C'est un peu un truc à la Deadpool, mais c'est vrai que, comme d'hab, en fait, avec Deadpool, le quatrième mur, il explose en mille morceaux. Quoi. Tu sens qu'il te parle à toi en tant que lecteur, parce que lui, il est conscient. D'être dans un perso, une œuvre, ouais. Ça dans fait un partie perso des pouvoirs de Deadpool, c'est d'être conscient d'être un personnage. Et ouais, ça s'arrête pas. Mais est-ce qu'il y a un petit côté un peu Dr. Slump, mais genre 2022, tu vois? Bien évidemment. Ouais. Pourquoi? Parce que. Parce qu'il en parle. Oui, voilà. Parce que Deadpool, à un moment donné, il fait des dédicaces à d'autres mangas. Il fait une dédicace à Fire Punch. Franchement, la page, l'illustration, elle est magnifique. Super bien dessiné, ça en voit. Et il fait une dédicace à Akira Toriyama en disant mais de toute façon je vous emmerde, mon personnage préféré moi c'est Hackman de Gogo Hackman. Hackman de Gogo Hackman, c'est une histoire de 3 chapitres que vous retrouvez dans le recueil des histoires courtes tome 3 publié aux éditions Glénat. Non mais voilà, c'est juste pour vous dire à quel point c'est précis. Évidemment, Deadpool ne peut pas s'empêcher de vanner les isekai. Ah bah il aurait bien tort de s'en priver. Et il s'arrête jamais. Il a vanné les fans de Moe. À chaque coin de page, en fait, il y a une vanne. Il y a une vanne sur les fans de manga. Il y a une vanne sur les éditeurs de manga. Il y a une vanne sur les scénaristes, sur les dessinateurs. Ouais, sur tout le monde. Ah ouais, mais tout le monde en prend pour son grade et un gros tarif en plus. Hein. Après, c'est vrai que c'est ça qui est drôle parce que c'est Deadpool. Mais le truc, c'est. Quand tu connais un peu déjà Deadpool, et notamment via son premier film ou même les comics, t'as un peu cette magie qui est un peu amoindrie. Parce que c'est cool pour la découverte quand tu le vois la première fois. Donc si tu lis le manga Deadpool en premier, c'est bien parce que tu vas vachement te marrer et ça va être bien. Si par contre t'as vu le film et que t'as déjà lu les comics, tu dis ah t'es déjà un peu en tu sais à quoi tu t'attends, tu sais à quoi t'attendre et tu sais qui va te parler. Après, je suis pas sûr que les gens qui n'ont vu que le film soit choqué, au contraire, ils vont peut-être retrouver un petit peu Ryan Reynolds. Non, mais c'est pour ce personnage-là. C'est pour ça que je dis la magie est un peu amoindrie. Donc tu sais que tu vas rigoler. C'est pas la magie Disney. On est d'accord que les comics sont là depuis bien plus longtemps que le film, mais que le film est bien plus grand public et a touché beaucoup plus de gens en France que les comics. Et forcément, c'est pas dur parce que le marché comics est assez réduit en France. Donc le film, lui, a fait beaucoup plus d'entrées et donc les gens vont lire ce manga avec la voix de Ryan Reynolds. Moi je l'imagine comme ça aussi, à mon avis. C'est vrai. Et après le comics c'est assez différent parce que chaque auteur fait plus ou moins son univers, tu vois, sur le comics. Celui qui a quand même eu pas mal de retentissement, c'est Deadpool Kills Marvel Universe, où il tue tous les Avengers, où il tue les scénaristes, enfin il change tout. Donc tu sais que toi c'est Deadpool, c'est comme ça. Alors que là, il chialerait pour avoir le numéro de téléphone d'un Avengers. Et c'est très drôle. Bon, il a les numéros quand même. Deadpool Samurai, ça sort aux éditions Panini. Manga, la suite avec un manga aux éditions Akata, c'est Hentai Kamen, Joe. Hentai Kamen, traduction Hentai Pervers Kamen Masqué.
Voilà. Voilà, trad. C'est fini. On va suivre Kyosuke qui a 16 ans et il est super fort. Il est plus fort que tout le monde dans son club d'arts martiaux. Et on va faire très rapide, mais il a un pouvoir très étrange. En gros, quand il revêt une culotte sur le visage, et ben ses forces sont décuplées et il se transforme alors en Entai Kamen, un super-héros justicier défendant la veuve et l'orphelin, mais à moitié à poil. Oh, ouais, plus qu'à moitié. Tu es presque totalement à poil. Oh, oui. Et alors, d'où lui vient ce pouvoir ? Moi, c'est la petite clé que j'aime bien aussi, c'est d'où lui vient ce pouvoir. Ah oui. C'est de ses parents, oh, mais... sa maman fan de SM et son père policier. La justice. Et, la et, nudité, la perversion. Et la perversion. Après, peut-être que sa mère n'est pas fan, mais en tout cas, elle travaille là-dedans, dans bah, le domaine. Après, elle kiffe son travail. Ah oui, elle est au taquet. En tout cas, c'est un titre très très barré. Déjà, vous entendez le pitch, donc vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose. Assez old school, hein, c'est le début des années 90. On est vraiment dans le Japon de ces années-là. Et ça se ressent dans le dessin, mais c'est pas pour autant que c'est moche. Mais en vrai, non, c'est sympa. Hein. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est un ovni, quoi. Mais c'est très connu au Japon. Ça avait eu pas mal de succès. Il y a même eu des films, des films live. Donc, moi, je suis assez contente de le voir arriver en France parce que ça vaut toujours le coup, tu vois, de s'intéresser. Et en plus, c'est une période que j'adore. Le début des années 90 au Japon, je trouvais qu'il y avait une certaine émulation. Alors après, voilà, le style... du dessin est assez rétro. Les histoires aussi, il y a certaines façons. De nos jours, il y a des thématiques qu'on n'aborderait pas du tout de cette façon-là. Mais moi, je trouve que c'est trop drôle. Enfin, parce que en même temps, il y a une sorte de naïveté et d'innocence sur voilà la sexualité. Mais encore une fois, le mot pervers est à prendre avec voilà un peu de distance, peut-être même avec une certaine ironie, parce que qui sont les vrais pervers dans l'histoire de Hentai Kamen, quoi. Enfin, c'est super réjouissant. Bah lui, c'est son pouvoir, hein. C'est pas de sa faute, hein. je peux te le dire. Non mais tu parlais d'OVNI, de titre OVNI, et je pense que c'est encore plus décuplé dans le fait qu'il était dans le Shonen mais Jump. Mais oui, voilà. Tu vois, c'est pas... Toi, Hentai Kamen, ça vient du Shonen Jump, ça vient de la Shueisha. Et c'est ça qui est assez ouf, parce que finalement, le titre, il aura duré un an. Ils ont sorti 6 tomes, là, il y en aura 5 là, pour l'édition Akata. Et c'est ouf de se dire que c'était dans le Shonen Jump et finalement au fil des années il a acquis son titre de rang, enfin il est devenu culte, oui, c'est devenu un titre culte alors qu'il est resté qu'un an, mais je sais que t'as des Japonais, tu leur dis Hentai Kamen, ils vont dire bah oui je connais, et c'est un peu cette nostalgie dans les yeux, tu le vois, je fais bah oui Hentai Kamen. Après, cette époque. Ouais, je pense qu'il y a, ça a accompagné beaucoup de voilà première barre. Mais il y a une veine de manga vraiment de justicier hentai qui voit, et c'est très rigolo, c'est très japonais dans la façon d'aborder le sexe en fait, puisque tu vois il y avait eu en version animée surtout Shimoseka qui reprend la même idée de un monde qui est très, enfin qui est devenu très coincé où tout ce qui est sexuel est traité d'obscénité, donc on ne peut plus en parler, et donc il y a des étudiants, des lycéens qui vont se réapproprier le pouvoir de parler en devenant des justiciers masqués de culottes, de barésies, de trucs comme ça. Donc, il y a donc Hentai Kamen, mais il y a aussi Kekko Kamen de Go Nagai qui est plus ancien. Mais j'ai pas, il y a vraiment cette culture-là du masqué bizarroïde, bizarre tout court, quoi. Mais qui veut dire quelque chose quand même. Et je pense que pour la culture manga, c'est quand même sympa d'avoir ça disponible maintenant. Joe, un dernier mot sur Hentai Kamen ? Bah c'est surtout que 20 ans après la série, le début et la fin de la série, parce que c'était la même année, il y a eu deux films qui sont sortis. Mais tu oui. disais, un en 2013 et un en 2016. Et donc, déjà, de le faire un 2, tu te dis, bon, il y a que le 1, il y a des gens qui sont quand même allés le voir. Et c'est fou, quoi. 20 ans après. Hentai Kamen en France était connu pour ces deux films. Oui. Ouais. Bah oui. C'est bien plus que pour le manga. Hentai Kamen, donc, ça sort aux éditions Akata. À la suite, on reste dans le Sentai, dans le Super Sentai, avec No Longer Ranger, qui est un Super Sentai inversé. Ici, on ne va pas suivre une équipe de Power Rangers. Hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure le terme de Super Sentai. Une équipe face aux maléfiques monstres de l'espace. Mais on va suivre un troupier. Vous savez, les mecs lambda, les soldats lambda. Bah, les troopers. Quoi, les troopers, mais un troupier en français. et puis d'autres humains dont on ne connaît pas encore bien les dessins. Et c'est un manga très spécial qu'on a mis dans la sélection What the Fuck parce que ça va pas trop dans d'autres cases en fait ce titre, et puis ça va dans tous les sens, c'est pour ça que c'est là dans cette catégorie, parce qu'on suit, on est dans un délire et c'est bien fait, c'est surprenant, mais vraiment voilà, faut être dans ce délire là quoi. Ben moi j'ai vraiment bien rigolé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand voilà, j'ai commencé la lecture, mais je trouvais que c'est
déjà, ne serait-ce que de se placer de l'autre côté, tu vois, c'est, ça fait du bien, quoi, de voir l'autre point de vue et voir les mecs qui sont là, genre, oh, on n'arrive plus à recruter, bah c'est sûr, ils n'avaient pas envie de se faire étamer à chaque fois. Et puis tu dis, mais pourquoi ça continue? Et c'est super, enfin, comment dire? Il y a un petit peu de... Tu dis, c'est un exercice de narration de mangaka. Un vrai exercice de voilà, style, je suis exact. D'accord. Mais c'est super réjouissant à lire et on passe un bon moment quand on, voilà, quand on a cette lecture-là. Quoi. Mais il, est, il fait partie de ces mangas qui sont plus à lire qu'à raconter. Oui, oui, c'est-à-dire oui. Que si on commence à vous raconter ce qui se passe, ah bah non, non. Ça va être embêtant, oui. Enfin, même à écouter ce sera pas très agréable, c'est vraiment un manga à lire, mais il faut avoir envie de rentrer dans ce trip, bah, après, dans le trip Sentai, dans ce trip décalé, de suivre des méchants ou pas. Ouais, en fait, mais c'est ça aussi qui est drôle. Enfin, pour moi, c'est clairement une lecture vacances, quoi. Enfin, voilà, tu poses ton cerveau et puis tu, voilà, tu fais appel à tes souvenirs de quand t'étais enfant et que tu regardais les Power Rangers, hein, ou ce genre de trucs. Enfin, je trouve que c'est vraiment idéal pour des vacances. Point aussi important, c'est l'auteur de Quintessential Quintuplets, ah, super. Qui signe ce manga et je trouve que son boulot sur les chara-design de l'escadron est génial, des rangers qu'il y a dedans, les chara-design des différents personnages, des troupiers, je trouve que tout est super bien réussi en termes de chara-design et ça fait 50% du boulot, ça, hein. Ouais. Clairement. No Longer Rangers, c'est aux éditions Pika. Un dernier titre de cette édition, de cette sélection What the Fuck, c'est Zombie From Now On. Je vous en ai parlé dans... Oui. Les mangas oubliés. Exactement. Mais du coup, je voulais qu'on repasse deux minutes dessus parce que j'avais envie de le conseiller pour cet été. C'est un manga en deux tomes par Yugo Ishikawa et ça sort aux éditions de Château Château. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille qui se transforme en zombie. Elle est dégoûtée. Elle est prête à dire au revoir à sa vie d'idol. Oh là là. Sa vie d'idol un peu foireuse, mais à sa vie d'idol quand même. Et donc à se faire tuer, à disparaître jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle va peut-être pouvoir continuer à vivre et avoir une existence joyeuse ou pas. Dans un village de zombies, puisque les zombies continuent de mener une existence comme nous tous, mais ils sont juste à l'écart parce que forcément ils ont besoin de manger des cerveaux, tout ça, tout ça. C'est un manga très amusant avec des petits côtés gore, mais c'est pas le gore le gore pour rire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle veut attraper quelqu'un pour l'aider à se déplacer, et bah elle lui tire les bras et puis voilà. Elle quoi. Lui tire les bras. Et... c'est un peu l'hôtel Transylvania. Et elle repart avec les bras quoi. Voilà, exercice de style, exactement comme No Longer Rangers, ouais. mais pour les fans de comédie en manga et les fans de zombies et les fans de Yugo Ishikawa, qui a fait donc Sprite, qui a donc fait Wonderland et qui fait donc Zombie From No On aux éditions Château Château. On a parlé de nouveautés là pendant trois quarts d'heure, mais on peut aussi passer un petit instant, 5 minutes, sur des titres qui ont continué ou qui sont en train de se terminer avec la sortie du tome 23 de Demon Slayer. Ça y est, c'est la fin de Demon Slayer. Je vous fais pas l'affront de vous pitcher Demon Slayer. Normalement, tout le monde connaît. Aujourd'hui, si vous écoutez cette émission, vous êtes au courant de quoi parle Demon Slayer. Et j'ai lu la fin. Puisqu'on m'a envoyé le PDF pour qu'on en parle dans cette émission notamment. Et j'ai adoré la fin, spectaculaire, surprenante. J'ai vécu des montagnes russes émotionnelles. J'étais là, oh non, oh ouais, ah oh non, quoi. Bref, tu sais, vraiment la vraie réaction. T'as vu quoi. Comme il nous le vend bien là. Bah moi ça tombe bien parce que moi j'attendais la fin en fait. Ouais, pour mais commencer bon, pareil. À revenir. Ouais. Moi je m'étais arrêtée au tome 5, le feu... comment c'était déjà Chasseur des Esprits là, Chasseur de Rodernier, la nuit, excusez-moi. Comment t'as oublié ça, je sais pas. Mais du coup, ouais, maintenant, ouais, on va pouvoir reprendre les choses. Je vous prêterai mes tomes. Ah, merci. C'est gentil, merci Max. Je vous prêterai tous mes tomes. Et je vous prêterai même les éditions collector et les romans. Ah, trop sympa. Et ouais, vous allez pouvoir lire. C'est une des premières privilège. Fois avec Promise Neverland où j'ai eu envie de lire les romans sur un manga. Ah, oui. C'est assez rare que ça m'arrive, mais sur Demon Slayer, ça m'est arrivé. Et puis là, sur la fin du titre, j'ai été vraiment saisi par les propos des différents personnages. Parce qu'ils livrent tous leur chant du cygne, pas forcément parce qu'ils meurent tous, mais parce que c'est la fin. Parce que c'est la fin, donc c'est l'acte final. On se bat pour la dernière fois, et puis voilà, on met un trait sur toute cette histoire. Donc j'avais l'impression aussi qu'à ce moment-là, l'autrice parlait à ses lecteurs. Ça m'a fait vraiment cette drôle d'impression et ça amène à une relecture évidente, d'autant qu'il y a une part assez dramatique par moment dans le final. Et donc j'avais l'impression que c'était l'autrice, la mangaka, qui était en train de me parler à travers les différents personnages. Et voilà, j'étais assez saisi. Je ne donnerai pas la teneur de ce qu'elle dit pour pas gâcher la surprise, mais
Voilà, j'ai eu ce sentiment assez bizarre. Voilà, si vous aussi vous avez ce sentiment assez étrange quand vous allez lire la fin de Demon Slayer, n'hésitez pas à nous en parler. Je pense qu'on va faire on va le rajouter sur notre liste les émissions à préparer. Bien évidemment, mais ça sera pour la rentrée. Parce que cet été, on sera un peu en vacances quand même. Mmh. Autre manga que j'avais envie de vous conseiller de suivre cet été, Toganonki. Ah. Ça se lit à une vitesse. Le sang. Ah ouais, Toganonki. Donc on a fait une émission consacrée à Toganonki. Je vous encourage à la lire, si vous n'avez pas encore, parce que lire l'émission ça va être long. à l'écouter si vous n'avez pas eu l'occasion encore. Un manga qui est toujours aussi cruel et toujours aussi stylé. Mm. Bagarre, mais bonne bagarre. D'accord. Voilà, Cagnard validerait cette bonne bagarre dans Toganonki. Ah, c'est sûr. Et puis si on aime les lectures sans prise de tête pour l'été. Si vous n'avez pas envie d'avoir des dialogues interminables, si vous n'avez pas envie d'avoir des théories fumeuses, etc., ça va tout droit. C'est parfait. Et c'est parfait aussi avec Blue Lock. Ah, Blue Lock est déjà au tome 8. Ça avance vite. Hein. Ouais. Ils sont tous collector. Et oui. Avec l'édition collector et les jolies cartes métallisées. Là. Ouais, c'est ça. Et que d'enjeux encore et encore. Il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'est un super divertissement. Ouais, c'est pas un manga forcément qu'on raconte, même si au bout d'un moment il va commencer à y avoir des choses qui reviennent, notamment au niveau de l'individualisme, mais c'est prenant. Mm. C'est divertissant, c'est prenant, c'est parfait pour l'été. Et puis Four Nights of Apocalypse, c'est toujours aussi sympa, prenant hein. Également. Ouais. Moi je suis toujours aussi fan de ce que fait Nakaba Suzuki. C'est pas l'odeur le plus moderne du monde, mais qu'est-ce que c'est super bien mené! Qu'est-ce qui fait bien les choses! Et c'est agréable en fait de voir que on est entre les mains de quelqu'un et qui sait ce qu'il fait. Oui, tu sens qu'il y a rassurant. C'est rassurant. T'as l'impression que rien n'est dû au hasard, que tout est prévu et tu te laisses embarquer dans cette histoire. Et là aussi, c'est du fantastique. Et puis déjà 4 tomes donc pour Four Nights of Apocalypse, sorti en février, donc ça va vite là aussi. Voilà, ça c'était pour la petite sélection des mangas qui ont continué, qu'on avait envie aussi de vous proposer. Avant de terminer cette émission, on peut faire un point sur quelques rééditions également, des rééditions. À commencer par celle de Tsutomu Takahashi, il y en a plusieurs. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Blue Heaven, ouais. Et puis Soul Keeper. Moi, j'ai plus envie, si vous devez choisir un seul Tsutomu Takahashi cet été, je vous encouragerais à lire Soul Keeper. La politique en manga, c'est rare. C'est original, on en parlait ouais. Tout à l'heure avec Darwin's Incident. Là encore, il y a une autre vision des choses. Ouais. Mais de cette manière, c'est vraiment top. Ouais, faut pas s'arrêter à la couverture en fait. Parce que ça raconte rien. Faut jamais s'arrêter aux couvertures de toute façon. Ouais. Mais non, Soul Keeper, ouais, je vous encourage à le lire. Du côté des rééditions, il y a le premier Kaneko qui revient aussi en France. Bambi, génial. Pour l'histoire, il faut lire. Pour le punk, il faut le lire. Parce que c'est Bambi, il faut le lire. Quoi. Mais oui, c'est top. Et en plus, c'est pub, c'est foutraque. Et, tu sens quand même que c'est une de ses premières séries, hein, si ce n'est la première série. Donc, il y a quand même le côté un peu bordélique, mais c'est hyper agréable de lire une histoire avec l'énergie qu'on lui connaît, quoi, qui est là, pure. Donc, en plus, c'est une série courte. Enfin... Faut y aller. Et puis c'est un petit éditeur là encore, tu vois, on parlait de Chato, on parlait de Shiba tout à l'heure, là oui. C'est IMHO, effectivement ça fait aussi partie des éditeurs que vous pouvez avoir envie éventuellement de soutenir parce que justement ils ont besoin d'un peu plus de soutien que d'autres. D'autres éditions justement, Soul Keeper c'était chez Panini Manga, tout comme Planet. Planet. Troisième réédition je crois. Hein. Quatrième, tu crois? Bah, il y a eu l'édition. Moi, j'ai vu quand tu vas sur le BD Fugue, il y a les premières éditions à 150 balles. Et elles sont vraiment vieilles. Hein. Oui, là. T'as l'édition 3 tomes. Ouais. T'as l'édition 3 tomes qui est couplée, qui est très difficile à lire dans le métro parce que c'est un pavé. Mais c'est des pavés. Je pense, c'est peut-être 3-4. Ouais, 3-4. Ouais. Puis t'as l'édition intégrale en un seul tome. Ouais, c'est celle-là, ouais. C'est celle qu'on m'a offert pour l'anniversaire. Tu peux tuer quelqu'un avec. Hein. Ah oui, ah ouais, non, mais c'est une table de chevet, c'est pas. Non, puis après, est-ce qu'on dit 3-4 parce qu'il y a aussi l'édition collector avec la couverture de Mathieu Babelé, voilà, qui est très belle. Magnifique, la couverture, la cover jolie, de Mathieu Babelé, super jolie. Effectivement, vous avez deux éditions dans cette réédition de Planète, la normale et celle de la première édition. Alors, je connais pas les tirages, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit difficile à trouver. Réalisé par Mathieu Babelet et pour Deadpool Samouraï, il y a aussi une variante cover. Oui,
qui rend hommage à Demon Slayer. Oui, oui. C'est marrant, c'est marrant aussi. C'est pas mal. Donc Planète, c'est dispo. Et voilà, cette édition, je la trouve un peu plus pratique que l'édition Tue quelqu'un avec. C'est bien. Dans les rééditions de cet été, on va citer quoi ? On va citer Karakuri Circus, qui sort chez Mayan, De l'art du cirque, De la baston, par Fujita, l'auteur de Moonlight Act. Ça, c'est vieux et tout le monde l'attend. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Ah, mais je crois que tous les titres dont je vais parler, tout le monde les attendait. Rokudenashi Blues, c'est sorti, c'est dispo. Là, c'est Furio et Baston, tu vois. Karakuri Circus, c'est Art du Cirque et Baston. Là, ouais, c'est mais Furio tu vois, et Furio et Baston, ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est plus Art du Cirque. C'est les poivres, quoi. C'est ça. Non, ben voilà, Rokudenashi Blues, qu'on appelait Rakai Blues, c'est un essentiel du manga Furio. Baki ressort. Baki the Grappler. Baki, quoi. Baki ressort, là c'est Baston et Baston. Oui, tout court. C'est de l'essentiel de la baston en plein de volume. L'essentiel de la baston en plein de volume, c'est Baki. Normalement, vous avez dû au moins en entendre parler une fois. Oui. Si vous êtes fan de manga de baston, si c'est un truc qui vous parle et que vous n'en avez jamais entendu parler, là il va falloir se renseigner. Vous pouvez nous poser des questions si vous voulez. Là, on n'a pas le temps de trop débattre sur Baki, mais voilà, ça c'est un essentiel. C'est même un des 50 mangas les plus vendus au monde. Mais en plus, il était sur Netflix pendant un moment, l'anime, oui. Non ? L'anime, oui. Ouais, probablement, ouais. Mmh. Bien exact. Sûr. Et puis Phoenix sort aussi enfin la réédition tant attendue de Phoenix. Alors, elle vient d'être décalée. Mais c'est peut-être encore pour des questions de papier. Elle sort, mais elle est décalée. Elle est décalée de pas beaucoup, à début juillet, a priori. Ouais, de base, elle était déjà décalée de pas beaucoup. Ouais. Alors, de base, elle devait sortir il y a 2 ans, mais ouais. Bah voilà, c'est le Tezuka ultime. C'est le boss de fin Tezuka, Phoenix. Ouais. Tu sais que t'as passé plusieurs niveaux. T'as lu Dororo, t'as lu Ayako. Et là, il y a un boss de fin. Bah bam, le boss de fin, c'est Phoenix. Je pense qu'on peut pas dire mieux que ça. Et puis voilà, on peut tranquillement terminer cette édition. Ça va faire une heure qu'on est ensemble. Petit manga dont on n'a pas encore parlé, Julie. C'est Miroir. Miroir, c'est le one shot réalisé par les deux auteurs de Promise Neverland. Oui, exact. Ça nous parle de quoi, Miroir? C'est un biopic. Alors, c'est présenté comme ça, mais en gros, ce sont donc 3 histoires courtes autour du personnage de Coco Chanel. Donc, notre Cocorico. Fierté voilà, nationale. Gabriel. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre est très bien conçu parce que vous avez l'histoire, mais il y a également beaucoup de pages couleurs. Il y a également une interview, je crois, sur une dizaine de pages des deux auteurs avec leur éditeur, au Japon. Et moi, j'étais très surprise parce que, quand bien même, comment dire, moi je dirais que c'est plus des histoires inspirées de la vie de Coco Chanel, parce que ça parle du Japon actuel, ça a rien à voir avec un manga historique, tu vois. Mais c'est aussi la première fois que je lis un manga qui met autant en avant une vraie marque. Donc des objets qui ont été façonnés par Chanel. Et qui se vendent encore aujourd'hui. Et bien sûr, et notamment leur produit phare qui est le parfum iconique de la marque, le Chanel numéro 5. Et c'est limite, moi je me suis dit, mais est-ce que c'est pas là un placement produit? T'en dis quoi, Joe? C'est une notion quand même qu'on a plus souvent au cinéma, mais là, pour moi, c'était le cas pour le manga. Non, franchement, je ne pense pas que ce soit un placement de produit ou que le sujet, ça soit le parfum. Vraiment, là, moi, je l'ai lu aussi et je ne m'attendais pas à avoir ce genre de recueil. C'est différents aspects et manières de penser ou de vivre, en fait, de Gabrielle Chanel. Et en fait, tu le sens à la fin de l'interview, c'est qu'elle a créé quelque chose qui, aujourd'hui, est la marque, etc. Mais que, sur cette marque d'aujourd'hui, avant, il y avait un mode de pensée qui était différent. Quand elle est arrivée sur le marché en voulant créer des choses pour les femmes, parce que c'était une époque où les femmes s'habillaient seulement avec ce que les hommes disaient de s'habiller, toi. Et quand Gabrielle Chanel est arrivée, elle a voulu bousculer ses codes. Et c'est ça qu'on essaie de montrer dans ce recueil d'histoire. On n'essaie pas, pour moi, de placer la marque Chanel. On essaie de placer sa mentalité. La mentalité Chanel, je pense. Ouais. Et puis j'ai essayé de me replacer. J'ai trouvé ta question super intéressante. J'y réfléchis et j'ai essayé d'y répondre en me mettant à la place des auteurs. Et en fait, je me suis dit, et si tout simplement, c'était pas juste deux super fans des produits Chanel et que par conséquent, ils ont eu envie de rendre hommage à la créatrice et à ses produits qu'ils adorent et à
et à toute l'histoire et à la vision qu'ils en ont du Japon, depuis le Japon, pardon. Ouais, bah après, je comprends, parce que ça se ressent quand même, le côté on se fait un petit kiff, c'est notre histoire, notre vision de cette personne, etc. Mais moi, en tant que lectrice française, je suis un peu gênée parce que il y a d'autres créatrices de son époque qui ont fait beaucoup plus pour la condition féminine et ça c'est oublié en fait parce que le marketing de Chanel a été hyper agressif déjà à son époque. Elle et a littéralement les roulé. Les auteurs n'en ont pas conscience. Voilà, elle a Madeleine Vionnet qui était super féministe, qui a vraiment pensé à la condition de aux conditions de travail de ses employées féminines qui ont tout fait. Enfin, tu vois, qui a fait vraiment des avancées sociales avant les 30 Glorieuses, etc. Lanvin et Schiaparelli, elles étaient beaucoup plus créatives, beaucoup plus aussi dans une réflexion sur la mode. Alors que Chanel, oui, son truc, c'était de, effectivement, on va dire, simplifier la vie des femmes, mais c'est surtout un espèce de petit diablotin qui faisait un énorme pied de nez à toute la bourgeoisie de l'époque en leur disant « Vous n'avez pas voulu de moi, je vais vous saper comme moi. » Enfin, c'est ça son credo, tu vois. Mais je pense pas qu'il se soit posé ces genres de questions. Exactement, et c'est ça qui me gêne, parce que je sens qu'elles ont beaucoup d'humour, beaucoup d'amour pour cette marque, pour cette personnalité, mais elles ne se sont pas beaucoup renseignées quand même. Et elles ont été, dès le départ dans leur interview, elles mettent en avant le fait qu'il y a une espèce de collaboration parce qu'elles ont eu accès à énormément de choses de la part de la maison Chanel. Et du coup, c'est d'où ma question du placement produit. Parce que des fois, tu as l'impression de dire, bon, ok, j'aime beaucoup Chanel. Enfin, je trouve qu'elle a effectivement, en termes de mode, etc., créé, inventé des choses qui sont intelligentes pour la vie actuelle des femmes. Mais ça me gêne qu'elle écrase tous les autres dans leur discours, tu vois. En fait, c'est ça. Mais effectivement, je pense que c'est une récréation, one shot. Faites ce que vous voulez. Ouais. Ça ressemble à... vous avez tellement réussi, tellement rapporté avec Promised. Là, faites ce que vous voulez, amusez-vous. Projet Chanel, on y va, on fonce, on va tout droit. Ouais, ouais. Mais on tu vois, crée, en fait... Et puis, je pense que la réflexion peut venir après. Et peut-être qu'à une fois, après avoir fini ça, elles se sont dit... Bah, pourquoi on n'irait pas plus loin ? Peut-être qu'il y a ça. Mais j'aimerais beaucoup, parce qu'on sait que c'est un des auteurs qui savent y faire en ce qui concerne la férocité, la cruauté. Et c'est ça, pour moi, Coco Chanel, c'est quelqu'un qui ne s'est surtout pas laissé marcher sur les pieds. Et elle a cette image sulfureuse en France que tu ne retrouves pas du tout dans ce manga. Et du coup, ça fait un peu pchit, et toi, tu es un peu genre... Ah. Mais les dessins sont magnifiques. Moi, j'ai beaucoup aimé... toutes les explications sur les procédés créatifs, etc. Mais ça manquait un peu de bagarre, en fait. oui, mais toi, tu voulais une série. Parce que là, en vrai, il ne faut pas oublier que c'est un recueil d'histoires. Par exemple, la troisième histoire, qui est centrée sur les garçons, justement pour montrer que le regard des autres, on s'en fout et on s'habille comme on veut et on fait ce qu'on veut. Toi, ça, c'est... retranscrire un peu la personnalité qu'elle avait Chanel à cette époque-là. Et là, on ne parle pas de produits, on parle vraiment de... Voilà, vous êtes des mecs, mais c'est pas grave. Faites ce que vous voulez mettre des jupes, mais allez-y. Mais toi, c'est ce message, je pense qu'ils ont voulu porter. C'est vraiment un peu un message d'aujourd'hui, où faut arrêter le regard des autres en permanence et faites ce que vous voulez en toute bienveillance, bien entendu. Ouais. Et c'est après, pour ça, toi, moi, sur ce troisième recueil, je trouvais super. Ouais. Ça s'appelle Miroir. C'est aux éditions Kazé. C'est un petit tome. Hein. C'est vraiment, c'est assez fort. Pour le coup, ça se même ça le mot est super. Enfin, l'idée du titre est super. La couve aussi, tu vois, ne pas s'arrêter à la couverture. Voilà, elle est vraiment belle. Là, pour le coup, elle est jolie, mais faut pas s'arrêter. Vous pouvez vous arrêter devant parce qu'elle est vraiment, jolie cette couverture. Bon, bah voilà. Fin d'émission. On a essayé de vous guider sur quelques nouveautés à lire cet été. Julie, toi, tu avais oublié un petit titre dans l'intro. Tu sais, quand je t'avais demandé. Oui. Est-ce qu'il y a un titre dont t'as pas du tout parlé ou peu, donc que t'avais envie de conseiller cette année, et en fait il y en avait un que t'avais oublié. En fait je voulais vous parler quand même du Roi Cerf, parce que donc il est sorti chez Sakka, et c'est vraiment super, parce que c'est donc l'histoire se déroule dans un monde imaginaire qui est vraiment déchiré par la guerre, et il y a un homme devenu esclave qui va petit
à petit voilà, se relever, et une petite fille qui va recueillir, et ils vont rencontrer un jeune médecin qui est pas du tout de leur culture, de leur de comment dire, ils sont tous dans des pays, et donc ils ont des intérêts différents, etc. Mais ils vont s'unir pour faire face à une espèce de maladie étrange, vraiment incurable, et qui décime en fait des soldats, alors qu'ils sont tous en train de guerroyer. Enfin, en fait, ça a été un vrai coup de cœur pour toi. Oui, parce que en fait, c'est vraiment c'est une série de romans pour enfants au Japon qui a été adaptée en manga, et donc c'est super sympa à lire parce que c'est très grand public finalement. Et je pense que bah voilà, là on s'est beaucoup adressé à des lecteurs de seinen, à des lecteurs de shonen, mais un peu plus assez bagarre, ado, etc. Et donc là, si vous voulez également lire du manga en famille, c'est bien pour les enfants un peu plus jeunes, parce que c'est un univers très 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 beau, porté sur la nature, le respect de la nature. Enfin, ça fait beaucoup penser au Miyazaki. Il y a beaucoup d'éléments aussi qui reviennent notamment Princesse Mononoké, etc. Et il y a eu en plus un film d'animation. Le long métrage qui est sorti cette année également. Et pareil, hein, il devait venir en France beaucoup plus tôt. Et avec la pandémie, il a été sans cesse repoussé. Donc, s'il est encore projeté à côté de chez vous, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment beau. D'autant que les toutes petites salles, souvent en province ou en région parisienne ou même intramuros, font des programmations un peu décalées, ouais, sur des films et des copies qui circulent encore sur quelques films comme ça, ouais, qui sont sortis dans l'année et pour lesquels ils ont eu des coups de cœur. Et je pense que Le Roi Serre risque d'en faire partie, donc regardez dans les petits cinémas, ouais, pas dans les multiplex, ça vous le trouverez plus, ouais, non, très peu de chance, ouais, mais regardez dans les petits cinémas. Voilà. Pour conclure cette émission, tiens Johnny, je vais te poser une question dans un instant, je vais te demander si on devait retenir que deux ou trois mangas de toute cette liste, lesquels ça serait. Avant, moi je ne vais pas vous conseiller un manga de cette liste, même si j'en ai envie, je vais vous conseiller aussi une série en 6 épisodes qui vient de sortir sur Netflix, c'est la série qui adapte l'un des premiers mangas que j'ai lu dans ma vie. Oh là là. Qui s'appelle Striker. Le manga s'appelle Striker. Seulement 2 tomes étaient sortis à l'époque chez Glénat, qui avait arrêté la publication, mm-hmm, parce que ça n'a pas du tout marché. J'étais le seul acheteur de ce manga. Bon, de peut-être être 500, tu vois. Mais voilà, la publication avait été arrêtée et 2 tomes seulement étaient sortis. Et donc, il y a une nouvelle adaptation de ce manga. Bah, incroyable, ouais, hein. Plus de 20 ans après, en 2022, 30 ans après, ils ont décidé d'adapter ce manga, tellement il est bien, mm-hmm, j'ai toujours dit que ce manga, d'accord, était génial, et donc le nom original c'est Spriggan, ah, ça vient d'arriver sur Netflix, et j'ai retrouvé totalement l'esprit du manga dans l'animé. Et pour ça, ça vaut le coup. Et voilà. Si vous avez Netflix, regardez à quoi ressemble Spriggan, alors c'est de la bagarre, ça saigne. Ça va dans tous les sens. On est clairement pas là pour réfléchir beaucoup, mais c'est super divertissant et super plaisant pour cet été. Ça fait un bon truc à regarder. Ça s'appelle Spriggan, Spriggan. Voilà, pour l'onglet recherche, tu sais. Oui. Johnny, je te laisse le mot de la fin. Alors, si je devais retenir que 2 mangas en toute cette liste, c'est vrai qu'on a pas mal de choses pour l'été, mais en priorité, je prendrais quand même Clevates, tout simplement parce que c'est un univers de ouf. Tu sens qu'il y a un potentiel énorme et que l'auteur, de toute façon, il n'est pas à sa première expérience. Donc voilà, il en a sous le capot et tu sais qu'il va faire un truc bien. Clevates, il faut de l'aventure, il faut de l'action. Voilà, moi je prendrais lui. Et il faut forcément un pendant drôle, et je prendrai Komi cherche ses mots, parce que c'est vraiment mignon, et moi je ne m'attendais pas à avoir un titre qui est finalement un peu tranche de vie scolaire, qui est très bien. Ouais. Et j'adore le lire, ça me fait beaucoup rire, le dessin est magnifique. Voilà, les deux, si vous voulez passer un été très bien, ben prenez Clevates et Komi cherche ses mots. Si vous avez la moindre question sur les titres dont on a parlé dans cette émission, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Nous vous répondrons avec un grand plaisir. La semaine prochaine, on parlera de manga d'horreur. Ah. On fera une espèce de petite introduction au manga d'horreur. Donc si vous êtes expert en manga d'horreur, la prochaine émission ne vous intéressera pas. Mais si vous avez envie de découvrir le manga d'horreur, là, on peut vous intéresser. On voit ça donc la semaine prochaine, puis après, ça sera l'été pour nous. On fera un programme... allégé, vous verrez, voilà. Ça, on vous en reparlera la semaine prochaine. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous dit à bientôt. Merci. Merci. Ciao, salut. Salut.